Coucou. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir avec vous une petite enveloppe qui me vient de ma Pinko. Alors, ma Pinko, c'est Pose Scrap sur YouTube. Donc, Stéphanie. Voilà, on va dire tous les noms, les pseudos, les surnoms. Hop, j'ouvre son enveloppe tout de suite. Hop là. Et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Ah, oh, c'est trop joli. Alors attendez, comment je peux faire ça? Là, c'est que là, il y a son adresse. J'ai juste découvert ça. Voilà. Donc j'ai fini de découvrir. Tadadadada. J'adore. Je ne peux que adorer. Olen Créate, les poupettes. Ah, elle a pris un petit coup là. pardon. Et ma gorge qui m'embête. Hein. Donc là, c'est tampon de fond Olen Créate. La petite. Poupette Olen Créate aussi. Je ne sais pas si je le prononce bien le nom, hein, mais bon. Voilà, on n'est pas grave. D'autres tampons ici, je ne sais pas je ne sais pas de qui. Voilà, mais en tout cas, d'autres tampons ici qui sont super sympas. Alors, son fond, je ne sais pas sur quoi. Non, je pense que c'est une feuille normale qu'elle a ancrée. Elle se sert de quoi? C'est pas des Magicals. C'est des Lindy's. Je ne sais plus. Bref, ça a le même effet que les Magicos, là, normalement. Si je dis pas de bêtises. Donc, ouais. Et puis, elle a dû tamponner par-dessus, après, son petit tampon de fond. J'ai reconnu, mais je crois pas que je l'ai, celui-là. Je dis, je l'ai reconnu. Je suis pas sûre de l'avoir. C'est que je dois en avoir un qui y ressemble. Ouais, je vérifie avec vous, j'ai envie. J'ai envie dans les petits comme ça, donc c'est pas celui-là. Alors j'ai ça dans le même esprit, hein, mais c'est pas le même. J'ai ça avec des chiffres, donc là c'est avec des lettres. Ça c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Eh ben non, je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas. Alors il avait dû me faire de l'œil, à mon avis, j'avais dû le repérer aussi, mais j'avais pas dû le prendre. En même temps, on peut pas tout prendre. Hop! Bref, mais je pense que c'est un Olen Créate. Hein. C'est vraiment le même esprit. Donc voilà. Donc sa petite pépette dans les tons orange et jaune, comme son fond, avec les cheveux bleus. Donc tout ça sur un papier blanc maté de noir, rematé sur la carte blanche. Voilà, elle est juste super jolie. Donc je. Attendez. J'ai à peine ouvert. Hein. J'ai vu des couleurs, c'est tout ce que j'ai vu. Je la mets à l'envers. Hop, pour enlever. Ce qu'il y a dedans, comme ça je ne les vois pas de face. Vous voyez le délire? Bah, je me fais un peu de suspense à moi aussi. Donc, je lis son petit mot. Mais non, c'est pas grave pour le retard, on s'en fiche. Ouais, moi aussi je suis toujours en retard de toute façon. Donc, hein. Pourquoi tu galères avec les Memory Decks? Ah. Je te l'ai dit, car pas satisfaite. Comment ça, t'es pas satisfaite? On va reparler quand je la verrai. Pour la peine, elle attendra la fin, la Memory Dex. Ce sera la dernière que je découvrirai. Oh, merci à toi. Je te fais tout plein de gros bisous, Steph. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour cet échange. Alors, la Memory Dex, on la met de côté. Tout est de dos. Hein. Je ne vois pas la face des choses. Voilà, donc, hop, on va découvrir l'ATS. Donc, la petite ATS, donc elle s'est servie, je pense, sur la planche de la pépette, il doit y avoir le tampon de la fleur qu'elle a remis par-dessus. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que je l'ai, elle? Oui, je crois que je l'ai, elle. T'es où, pépette? Ouais, c'est. Bah, si, c'est celle-là. J'allais dire, ouais, c'est ça. Bah, non, c'est pas ça. Bah, si, c'est ça. Ah là, la petite pépette, c'est la même. Donc, elle a dû se servir de cette fleur-là pour la remettre ici, pour la tamponner là. Donc, ça reste dans le même esprit. Donc, pareil, le fond orange et jaune. Elle nous a rajouté un petit papillon noir là. Donc, tout ça maté sur du noir. Et avec son petit tampon, son petit cachet. Voilà, elle est super mimi. Donc, hop, je la mets de côté. Ensuite, comment elle s'appelait, tu vois? Nature, la 3 sur 3. Voilà. Ensuite, on a l'ATS. L'ATS. L'ATC. Oh, elle est trop belle. Mais je t'ai vu les faire. Mais oui, je t'ai vu les faire.
elle a sauté. J'ai vu la vidéo justement, elle est trop chouette, trop chouette. Elle est trop chouette, j'aime beaucoup. Mais ouais, si je dis pas de bêtises, j'ai vu ta. Bon, si, je suis même sûre à 100%, à part si t'en as fait d'autres avec du ruban doré, le tampon florilège que j'adore. Et justement, je t'ai mis le commentaire ou pas? Si, je pense que je t'ai mis le commentaire, comme quoi j'avais pas pensé à ce tampon-là pour faire mes ATS, mes ATC de la rentrée. Parce que j'ai fait des ATC de la rentrée avec ma nouvelle pépette là. Elle est ouf. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver, je vous le dis. Avec ma nouvelle pépette comme ça, un petit peu créative, tout ça. Et je trouvais que pour la rentrée, ça pouvait être sympa. Vous avez dû les apercevoir si vous avez regardé ma vidéo de mon petit coin. Quand je vous présente mon coin dans la première partie, elles étaient sur mon bureau. Et ouais, donc bref, tout ça pour dire que je n'avais pas pensé à mettre cette étiquette derrière en tampon de fond et c'est juste une trop belle idée. Voilà, parce que je trouve que ça va bien avec. Bref, elle s'est resservie de son tampon de fond avec. Elle s'est servie sur sa carte pour faire ici dans le fond en bleu. Donc pareil, un papier jaune orangé de base. Elle a mis du petit washi doré sur les côtés et un petit strass ici et sa petite pépette. Voilà, elle est juste trop, trop, trop belle. Donc merci à toi, ma pinko. Et donc on arrive au. À la mémoire, je lis ce qu'il y a marqué derrière. Échange des poupinettes août-septembre 2020. Gros bisous, Stéphanie. Alias Postcrap. Bon, mais c'est bien en fait. Je peux montrer sans vous montrer en fait. Je vais pouvoir la retourner, la découvrir en même temps que vous. Hey. Ah oui, parce qu'il n'y a rien de secret, entre guillemets. Je suis en train de chercher le mot pour remplacer secret. Il n'y a rien de. Bref, vous avez compris. Hein, personnel, voilà. Bref, on la découvre ensemble ou je découvre avant vous? Non, on la découvre ensemble. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit que. Alors, je reprends ces termes. Ouais, j'ai envie de traîner un peu avec vous, donc je blablate. Je ne sais pas pourquoi je galère avec les Memoridex. Je te le dis car je ne suis pas satisfaite. Mais je te l'envoie quand même. Moi, je m'en fiche, moi, si tu n'es pas satisfaite. C'est pas parce que toi, tu n'es pas satisfaite que moi, j'en serais pas satisfaite. Ouais. Bon, après, je suis pareil. Généralement, quand je suis pas trop satisfaite. J'ose pas envoyer en fait. Donc je dis ça, je dis rien, mais voilà, des fois on a des choses que nous on n'aime pas quand on les fait, mais que ça plaît aux autres. Donc il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Bref. Mais elle est super jolie. Mais elle est super jolie. Ah, le petit détail. Si. Il fallait colorier la pépette quand même, ma Steph. Non, mais même en noir et blanc, ça rend super bien en fait. Je sais pas pourquoi t'es pas satisfaite. Donc, on reprend, du coup, hein, le même papier de fond que pour son ATC. Voilà, c'est dans le même esprit, hein. Hop, ensuite, la même chose, elle a fait le petit rappel avec le petit washi doré. Le petit papillon qui fait un rappel de l'ATS. Les petits tamponnages qui vont avec la petite pépette. Le petit hello par-ci par-là. Et la petite pépette dans le coin. Voilà, des petits crystal drops. C'est pas des crystal drops, cela, je crois. Bref, c'est la même chose. Un peu bronze, couleur bronze. Et voilà sa petite Memoridex. Mais je vois pas ce que tu lui reproches à ta Memoridex, en fait. Je ne vois pas du tout ce que tu lui reproches, très cher. Faudrait que tu me dises. Voilà. C'est Stéphanie, quoi. Et moi, elle me convient très bien. Je la trouve très belle, ta Memoridex. Donc, t'inquiète pas, ma copine. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc, je vous refais voir ces petites merveilles. Voilà. Et je te fais un gros, gros bisou. Et je te dis un grand, grand merci à toi pour cet échange. Comme pour tout le monde, c'était voilà, un pur bonheur d'échanger avec vous ces petites pépettes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je réitérerai bien, avec un autre thème bien sûr, hein, changer des pépettes. Est-ce que je vais pouvoir faire ça au mois d'octobre? Vu qu'on y arrive, quoique à un moment où vous verrez cette vidéo, je pense qu'on sera déjà au mois d'octobre, vu que c'est dans 2 jours, 3 jours. Bref. Est-ce que je réitérerai?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou sinon, je vais peut-être attendre janvier. J'en sais rien. C'est vrai que j'aime beaucoup faire des petits échanges comme ça avec 5 ou 6. Bon, là, on était un petit peu plus, hein. Désolée pour cette interruption. Oui, donc je disais, là, on n'était pas à 5 ou 6, on était quand même une petite quinzaine à faire un échange, bref. Mais j'adore, j'adore, voilà. C'est sympa de pouvoir échanger, partager de temps en temps. Autre que des échanges particuliers. Bon, là, c'était quand même particulier, mais après, je vous avais dit, vous m'envoyez ce que vous voulez, mais c'était pas forcément avec les pépettes. Mais bon, bref, tu me comprends, hein. Mais ouais, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir réitérer un petit peu l'idée de refaire un échange comme ça avec plusieurs personnes en même temps. Bref, de toute façon, je vous tiendrai au courant si j'ai une idée qui me transperce le cerveau, un de ces quatre. Je vous tiendrai au courant et je vous dirai ça, quoi qu'il en soit. J'arrête de blablater. Stéphanie, encore un grand merci à toi. Tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.